Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième manche du championnat 2014 de Formule 1 à Sepang pour la séance de qualification. Pour la séance de qualification. On va du coup voir au niveau du setup ce qu'on va faire. Alors, ce que je voulais faire moi. Je pense qu'on va faire un setup un peu plus agressif parce que j'aimerais avoir de la vitesse de pointe. Du coup, on va prendre le setup un peu plus haut. On va faire les sessions overview. Je vais quand même vérifier. C'est bon. Ok. Et on va faire go to track pour la Q3. Donc, c'est un one shot, hein, je rappelle. Et il fait pas super beau. Oula. Oh, on a perdu le. Perdu la, on a perdu le pneu. Allez, c'est parti. C'est Pang, un circuit qui est plus utilisé à l'heure actuelle, mais qui est plutôt apprécié des pilotes. Alors, des spectateurs, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, moi perso, j'aimais bien. Après, c'était pas le Grand Prix où il y avait les meilleures courses non plus. Enfin, ça dépendait des éditions. Là, comme j'ai moins d'ailerons, bah, il y a certaines parties qui vont être un peu plus compliquées, notamment celle-ci, ce virage à droite qui est compliqué. On a la Mercedes qui est devant nous, mais ça c'est le fantôme. Là, par contre, j'ai du mal à me repérer. Double droite, là, il va être compliqué. Je me suis entraîné en off en essai libre. Sauf qu'il faisait beau, du coup bizarrement le fait d'avoir un ciel tout gris, j'ai l'impression que mes points de repère sont plus les mêmes. Là, effectivement on est en retard, mais ça m'étonne pas. J'ai perdu toute la vitesse de relance. Bon, ça va pas être un tour fou, hein, je pense. J'ai pas activé le DRS là, je pensais que je l'avais activé. Voilà, là, il est activé. En fait, je l'avais activé, mais j'oublie que c'est le. C'est quand c'est complètement sélectionné que c'est bon. On a fini combien? On est 13e! Oh, ça va, 13e pour un tour pas fou. C'est pas mal. Notre coéquipier, il est combien 17e? On a qui derrière? Ouais, les deux Marussia, les deux Caterham, ça m'étonne pas. On est devant les deux Toro Rosso. Ok. On va faire restart session, ce que je n'ai pas fait, évidemment. Directeur de course, je sais pas ce que c'est. Table. Ah, c'est là qu'on peut changer le classement? Non, non, pas à ça. On va pas toucher à ça. On va faire continuer. Alors, je sais pas quel temps il va faire par contre dans la session après. S'il va pleuvoir, faire beau et tout. S'il fait pas beau, il fera pas beau. Je mets mes pneus intermédiaires, à mon avis. Alors, on va partir sur un truc facile. Allez, donc du coup, il charge un peu tout, les setups. Bon, par contre, je passe à chaque fois parce que c'est trop long. Alors. Monitor, c'est ça. Alors juste, ah, il va pleuvoir. Ok. Il va pleuvoir. 100% de pluie. Ouais, bon, bah, du coup, je sais pas si les pneus de pluie sont bons dans le jeu. Qu'au niveau de la stratégie, on aurait tout fait en intermédiaire puisqu'il n'y a pas besoin de changer les pneus quand il pleut. Tour 7. J'ai envie d'étendre quand même mon stint de au moins 1. Enfin, je sais pas si c'est un grand intérêt. Back. On va y aller comme ça. Écoutez, c'est parti. On va se lancer comme ça. On va essayer de pas faire trop de bêtises.
crois depuis le début, il n'y a pas de son. What the... Bon, ok, bon, bah là, il y a le son. Excusez-moi. Donc, bah, MR16 toujours en tête, toujours en... Ouais. Bon, tout le monde est parti en pneu intermédiaire, ça c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas fait d'erreur spécialement par rapport aux autres. C'est parti. Départ correct, pas chaotique non plus. On va essayer de rester à l'intérieur. Au début. Ouais, il y a vraiment pas mal d'eau là. Bon, le freinage, attention au freinage, on va essayer de piquer à l'intérieur pour gagner des places dès le début. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oh la Williams qui a. Ouais, la Williams qui a failli rentrer dans la. Dans la McLaren. Ça glisse énormément. Un drapeau. Drapeau jaune. Subtil, on va dire. Pas subtil. Par contre, en accélération, on est vraiment à la galère là. Ce top agressif n'a pas l'air fou. Bon, en ligne droite, mais il n'y a pas de DRS donc. D'ailleurs, on a un Raikkonen, je pense que ça va être compliqué à tenir avec la Ferrari, mais bon. On a un moteur similaire. On n'a pas la même voiture, mais on a la même passion. Et évidemment, il n'y aura pas de DRS de la course, parce qu'apparemment, il va pleuvoir toute la durée du Grand Prix. Alors il a dit qu'il y aurait peut-être de la pluie, énorme pluie dans quelques minutes. Peut-être l'occasion de tenter quelque chose de stratégiquement parlant intéressant. Attention, ouh là 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 là, on l'a repiqué, on va avoir l'aspiration sur la Force India. C'est bon, c'est un beau dépassement. Ça passera pas, je pense. Ah si, 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 ça peut passer sur Hülkenberg. Relance moyenne. Hop, c'est la suite. Ouais, c'est ici. Ah, on est passé. Bon, j'ai vraiment du mal à enchaîner ces deux. Ça, on est dans les points. On a quand même pas mal beaucoup de... Vraiment de... On a plutôt pas mal de grip. Même si ça patine de l'arrière, je crois quand même qu'on a... plutôt tranquille par rapport au niveau d'eau sur la piste. Le DRS est désactivé parce que bah, il pleut. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'au premier virage, on est vraiment en avance. Oh, on les rattrape énormément, regardez. Je le reprends 2 secondes quasiment. Hein. Par contre, devant, ils sont très loin. C'est de la position 4 là, et on les voit même plus. Si je vais pas tenter, mais. Eh ben c'est passé.
Aïe aïe aïe, je m'y attendais pas ça. Enfin, en fait, si, je m'y attendais, mais. Dans le jeu, j'ai l'impression qu'il faut aussi laisser filer au niveau du freinage. C'est-à-dire, des fois, on arrête de freiner d'un coup, puis on laisse la F1 s'inscrire dans le virage sans toucher quoi que ce soit. Juste la direction. Et elle s'inscrit plutôt bien, je trouve. J'ai pété le plot, mais. Alors en Vmax on va galérer je pense. Non, il insiste pas. C'est l'avantage c'est qu'il insiste pas trop pour le moment. Alors Hamilton qui est en 1.49.7 en étant 1.53. Alors j'ai vraiment perdu du temps sur ce tour là, j'ai perdu une seconde. Pas trop entendu ce qu'il a dit, mais je crois qu'il va falloir aller au pit dans les 5 prochains tours. Au niveau du mélange, on touche pas. Je pense que ça sert à rien. Je pense que le mélange a vraiment un intérêt quand on fait 25% de course. Après, je dois vous avouer que si je pouvais terminer à cette position, je m'en contenterais largement. Marquer 2 points pour Sauber, ça sert. Pas mal. Surtout qu'ils ont manqué 0, donc. Ils en ont marqué 0 en 2014. Donc. On aurait déjà rempli l'objectif. Et on va voir avec les conditions changeantes ce que ça va donner. Hein, parce que s'il pleut plus après, possible qu'au niveau du grip, ça va être compliqué avec les pneus intermédiaires. Heavy rain dans 10 minutes. Alors 10 minutes ça correspondrait, sachant qu'on fait 2 minutes par tour à peu près. À 5 tours, ouais. Donc au 9ème tour il y aurait heavy rain. Donc là on pourrait peut-être tenter de passer en pneu pluie entier. À voir. Allez, j'ai fait mon meilleur temps au tour, 1.51. On n'est pas si loin, mais tel 49. Ça va, c'est pas mal. On n'est pas trop à la rue. Bien comparé aux équipes de pointe. On l'a enfin bien pris ce virage. On va pas se mentir, le réalisme de la pluie dans le jeu est pas fou au niveau du maniement. Ça va, il y a bien pire. On a bien joué à des jeux où il n'y avait aucune incidence, notamment F1 98, donc là, il y a quand même une incidence en hein, plus. Ça a l'air moins bien. On entendait peut-être le vibreur de la manette parce qu'elle est juste en dessous. 50.2. Ouais, maximum power, mais non. Ah ouais.
Ouais, c'est comme ça. Tant que j'arrive à suivre Massa, honnêtement, ça devrait le faire. 14 tours, par contre, j'ai pas fait gaffe. Oh, on a raté la corde. Aïe, 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 aïe. Pardon. Là aussi, on a raté la corde. J'aurais hâte de retrouver un moi et que je sente sur mes trajectoires. En tout cas, pour le moment, la première course est celle-ci. Ça se passe pas trop mal, hein. Je trouve que les IA sont plutôt correctes. Enfin, je veux dire, c'est pas du n'importe quoi en piste, quoi. Ça... On est quand même dans un jeu. Bon, il y a une certaine lecture de course, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi tous les tours. Là par contre j'aurais pas fait un bon tour. Bon, ils sont en train de revenir progressivement. Alors je sais pas s'ils améliorent leur temps à cause de l'essence ou si c'est la trajectoire principale qui s'assèche. J'ai perdu énormément de temps. Ok, heavy rain dans 5 minutes. Est-ce que c'est pas les gommes qui commencent un petit peu à galérer, je sais pas. Ouais. Ok. Bon là, il va falloir commencer à défendre. Ça, 5 minutes, ça veut dire que tour 9 à peu près. Alors là, c'est la grande question. Je suis censé m'arrêter au stand à ce tour-là. Mais est-ce qu'on met les fullouettes ou est-ce qu'on met les intermédiaires? Ah, ils sont déjà arrêtés devant... Stratégique, je sais pas quoi faire.
Bon. J'ai failli rater la sortie. Allez. Oui, il s'arrête aussi. Alors moi j'ai choisi les pouettes. J'ai choisi les full wet quand ils ont pris l'intermédiaire. Est-ce que ça va être le... la grosse erreur ou pas? Ouais, 3-7. Pas mal. Ouh là là, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix, les gars. Ah ouais, il me dit j'ai pas pris les bons compounds, l'intermédiaire aurait dû mal. Hein. Ouais, par contre calme-toi s'il te plaît, Raikkonen ou Vettel, j'ai pas le temps de recéter. Ah ouais, j'accélère même pas. On va quand même on va rester comme ça, de toute façon j'ai pas le coup. Si je m'arrête au stand, de toute façon j'ai quand même tout perdu. On va quand même garder les pneus plus. Alors, bizarrement j'ai l'impression qu'on commence à avoir un bon rythme là. En tout cas on perd moins de rythme que tout à l'heure par rapport au gars devant. J'ai vraiment du mal à insérer dans les trajectoires ici. Hein. Oh, oh. On est dixième. Ah, il y en a qui s'est arrêté. Là on est juste le point de la dixième place. Est à 3 secondes. Je ne saurais pas dire s'il pleut plus que tout à l'heure ou pas. En tout cas, il nous reste 4 tours à faire. L'argent est à 5 secondes. Est-ce que attendez, est-ce que le pari serait pas en train de... Oula, est-ce que le pari serait pas en train de marcher?
Donc on a dépassé Bottas. Du coup on est 9ème, ça c'est une bonne nouvelle. Et ça va peut-être le faire les gars. Ouais, il commence à galérer avec les intermédiaires. C'est bon ça, c'est bon. Paris est en train peut-être de fonctionner. D'ailleurs là, la Ferrari, on voit rien du tout. Et allez, on pique au freinage. Oh 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 les gars, on est en train de passer 8ème position. Ah ouais, ils sont tellement ralentis, c'est incroyable. Ah, restriction en overtaking qui s'est passé. Oh bah oui, d'accord, ok, je crois qu'il a un problème, il a abandonné. Je crois que c'était Button devant. Oh, ça rentre. Ça rentre, ils sont en train de rentrer au stand, c'était le bon pari les gars, c'était le bon pari. Yes. Oh là là là, mais c'est incroyable. Et voilà, ils sont sortis pour mettre des foulouettes. Et on a une Mercedes devant nous, quoi. Bon. La Mercedes, je pense que maintenant, elle va nous mettre avant parce qu'elle a les bonnes gommes, mais... Bah, ça va rappeler un peu Perez en 2012, hein, pour la sauveur. Devant nous, bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué le dessus avec les bonnes gars. Bah, regardez la vitesse à laquelle ils vont quand ils ont les bonnes gommes, les Mercedes, quoi. C'est insane. Oh là 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 là, je vais prendre l'extérieur. Ouais, il va falloir pas faire trop fort de bêtises quand même, parce qu'on est dans les derniers tours. Et j'aimerais quand même marquer des points, surtout que là on est en position de pouvoir marquer des gros points, je parle. Allez, on se concentre, Seconde 1 sur Ricardo. Bon, Ricardo, ça va être difficile à tenir, mais... Ouais, ça va être très difficile. Il nous restait deux tours à faire. Ouais, les 4 secondes, ils vont fondre comme neige au soleil. On a 2 secondes d'avance, non, peut-être? Enfin, une seconde 6. Aïe, aïe. On peut se dire aussi qu'on a plus des gommes propres hein, par rapport à eux. Juste d'avoir les mêmes gommes que maintenant. Ouais, j'ai beau être optimiste, je pense que lui, ça va être difficile à tenir. Ou d'ailleurs, aussi, ça revient. Ouais, ils vont être compliqués ces deux derniers tours. Là, ça revient comme des ballons.
effectivement, l'essence aussi. Bon, ça devrait aller, j'ai jamais utilisé le suralimentation. Allez, dernier tour. La dernière portion où j'avais encore un peu d'avance. Il va falloir serrer les fesses maintenant. Tenir, ça devrait tenir. Peut-être là où le setup va pouvoir m'aider. Hamilton a gagné. La longueur d'intérieur. Ils vont réussir à remporter la quatrième place au Grand Prix de Malaisie. Yes! Oh, ça fait plaisir. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. On a gagné 9 positions durant la course. Mais écoutez, la stratégie a vraiment, vraiment, vraiment bien marché. On a bien fait de pas faire le tour supplémentaire. Vraiment, on a énormément gagné quand on est passé en de plus. Et du coup, on marque 12 points pour Sauber. Alors, on va faire comme le classement. Hamilton, Vettel, Rosberg, Gutiérrez, Ricciardo, Fernando Alonso, ça... Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, c'est Nico Hülkenberg. Il a fini combien, mon coéquipier? 17ème. Oh, il a pris 10 secondes en plus. Ouais, enfin, ça va pas changer grand-chose. Hein. Il aurait fini 14ème. Ah ben, on va continuer. Et du coup, on est classé au championnat. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, en tête, bon, les deux Mercedes, mais je pense que ça sera toujours le cas, hein, en 2014. Pas trop d'anomalies pour le moment. Global des équipes, puisque bah, Williams marque des points, les Ferrari aussi, Red Bull. Pour l'instant, le jeu ça va, enfin, en tout cas, ça se passe bien. J'ai peut-être de la chance, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau constructeur, voilà, à moins mis nos points dedans. Je pense en plus par rapport à Marussia et Caterham, je sais pas s'ils marqueront des points, j'ai un gros doute là-dessus donc. En tout cas, course sympa, sous la pluie, hein, c'était pas évident. Bon, pas aussi dur que je l'aurais imaginé, même si on avait un rythme fou quand même. Mais ça va, ce temps, ça en est bien sorti. Finalement, on a tenu Ricciardo à la fin. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que là, je pensais vraiment à le perdre au moins 2 places, parce que je voyais derrière, c'était en train de revenir d'un coup. Et je me dis, ouais, Ricciardo va passer facilement, derrière la Ferrari, il y a encore plus. On va se retrouver peut-être 5-6. Voilà ça. Et du coup, ça sera les qualifications du Grand Prix de Bahreïn auxquelles nous allons assister. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce championnat 2014 qui, pour l'instant, se passe bien. Voilà, on va être optimiste jusqu'au bout. J'espère que ça va continuer. À la prochaine. Ciao.
Thank you.